Donc, on va continuer notre exercice avec la cinquième intégrale, I5, toujours avec la technique d'intégration par partie. Donc, c'est parti. Attention, donc une petite remarque, certains élèves croient que l'intégration par partie s'applique une seule fois. Non, il y a des intégrales où on l'applique, c'est-à-dire cette intégration par partie deux fois, d'autres trois fois ou plus. Donc, comme c'est le cas de I5, donc on va calculer l'intégrale, mais en appliquant l'intégration par partie deux fois. Donc, pourquoi deux fois? On peut généraliser cette remarque. Lorsqu'on a une fonction polynôme multipliée par exponentielle ax plus b, c'est-à-dire la fonction affine, donc ça dépend du degré. Si donc on a degré, comme c'est le cas ici, x carré, le degré c'est 2, donc l'application d'intégration par partie s'applique en deux fois successives. Si on a le degré 3, trois fois, et ainsi de suite. Donc, comme le premier exercice, on a la fonction polynôme de degré 1, là, on l'a appliquée uniquement une seule fois. Alors là, comme vous allez voir, donc on va l'appliquer deux fois successives. Donc, calcul de I5, donc cinquièmement, donc calcul de I5. I5, donc on pose U prime x est égal à exponentielle moins x, et bien sûr, Bx, on va le poser le polynôme. Pourquoi? Pour diminuer son exposant, son degré. C'est le degré du polynôme qui donne le degré de difficulté de l'intégrale. Donc, ceci implique que primitive de x, bien sûr, est égal à 1 sur a. Attention, a est égal à moins 1, 1 sur moins 1, c'est moins, donc c'est exponentielle moins x. Alors que v'x est égal à 2x. Donc, pour la première application d'intégration par partie, nous trouvons i5 est égal à uv, comme on dit, donc moins x carré, donc exponentielle moins x entre 0 et 1, moins, donc avec déjà le moins, et en appliquant bien sûr la linéarité de l'intégrale, donc plus 2, l'intégrale x exponentielle moins x dx, 0. Donc, regardez bien qu'on vient de trouver une autre intégrale qui nécessite à son tour donc l'application d'une intégration par partie. Donc, appelons cette intégrale par exemple i5'. Donc, calculons de i5'. C'est la deuxième fois qu'on va appliquer intégration par partie. Donc, on pose ux, u prime x est égal à exponentielle moins x, et vx est égal à x. Ce qui entraîne évidemment que ux est égal à moins exponentielle moins x, et v prime x est égal à 1. Donc, d'où i5' est égal à uv, autrement dit, donc est égal à moins, donc le moins, on va le sortir à l'extérieur des crochets, donc x exponentielle moins x, entre 0 et 1, donc le moins avec le moins, donc plus l'intégrale exponentielle moins x dx, 0 et 1. Donc nous aurons finalement l'image de 1, donc moins exponentielle moins 1, donc moins exponentielle moins 1, et 0, et plus l'intégrale, donc la primitive, donc moins exponentielle moins x entre 0 et 1, qui est égal, donc moins exponentielle moins 1, donc, moins exponentielle moins 1, évidemment, donc plus 1. Plus 1. Donc, c'est égal à 1 moins 2 exponentielle moins 1. Donc, et finalement, on remplace donc i5' par sa valeur dans cette expression, donc i5 est égal. Donc, faisons un petit calcul là, donc c'est moins exponentielle moins 1, donc plus 2 fois 1 moins 2 exponentielle moins 1. Donc nous aurons moins 4 moins 5, donc c'est 2 moins 5 exponentielle moins 1. Donc la valeur finale de i5 est égale à 2 moins 5 exponentielle moins 1. Donc voilà, on a terminé cette technique d'intégration par partie. On se verra toujours dans le chapitre de calcul intégral, mais avec l'autre technique qui est plus importante, la technique avec changement variable. Donc, n'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner à la chaîne, à ma nouvelle chaîne, parce que ma première chaîne FreeMathFourYou a été piratée, s'il vous plaît.
ne la visitait pas et ne s'abonnait pas non plus dans cette chaîne provisoirement, mais je vous demande s'il vous plaît de s'abonner à ma nouvelle chaîne Top Math Upload.